Ladies and gentlemen, bien le bonjour, c'est Dark Even et bienvenue, je suis en compagnie de Hazenching. Salut mes petits pas là. Et toujours de Lulu Fantastique, salut Lulu. Bonjour tout le monde, salut Haz, salut Chin. Salut Haz, salut Chin. Il a fait les deux, salut Haz, salut Chin, salut Dark et salut Even. Et oui, parce qu'on est 6 aujourd'hui, non. Alors, on est reparti les amis, écoutez, bah, on avait Lulu avec nous, on s'est dit tiens, on va continuer l'aventure, on a trouvé quelque chose d'intéressant. On va le montrer, c'est le moment, c'est l'exclusivité. Voilà, et donc c'est reparti. Moi, je vous avoue, là, je suis allé juste creuser en bas dans notre planète du début, hein, la planète natale, on va dire. Là où on était, j'ai trouvé, regardez, c'est un petit truc que Haz n'avait mis à la poubelle il n'y a pas longtemps. Voilà, je l'ai retrouvé. L'énergie d'âge blueprint, du coup... Je c'est quoi ce mob? Comme ça, New Tech, donc la tech, justement, technologie... Vous allez sur votre technologie, hop, et vous le casez. Eh bien, écoutez, lock-in, où vous voulez. Moi, je le mets ici. Et donc, avec un double flèche, me permet de faire un sprint. Et d'ailleurs, vous voyez la barre verte qui s'utilise beaucoup. Ah ouais, mais ça, ça va être sympa, dis donc. Ah, j'aime bien, bien, bien. Bah, du coup, ça, c'est cool, c'est cool. Nouvelle technologie. Donc, on revient victorieux un petit peu de ce qu'on avait fait. Je commence à avoir pas mal de choses, vous voyez, mais c'est beaucoup d'armes inutiles qu'on a droppées. Et d'ailleurs, ça va être le moment de... Oh, bah, peut-être que je replanterai, justement, donc je vais garder ça ici. Par contre, le bouclier, par exemple, on va s'en débarrasser, parce que j'ai eu des armes à deux mains, du coup, ça ne m'intéresse pas forcément. Le coffre, on verra pour le stockage plus tard, bonbon. Bon, vous m'attendez bien sagement, je le sais, j'arrive, les gars, j'arrive. Oui. Hop. Ouais, vous êtes à gauche. Alors, c'est parti, vous rappelez ce petit potager, là, qu'on était avec Azn. Quand on développera au fur et à mesure, on a une super baraque, vous voyez, c'est une planche et une porte, c'est vraiment magique. Hein, là, juste à voir comme ça, franchement, c'est cool. Et la structure, en fait, que j'ai découvert, c'est la structure qu'on a fait au début. On a fait juste le début, on s'est fait défoncer par un Android sniper, si on peut dire ça comme ça. Bon, les gars, je suis très content parce qu'avec le nouveau truc que j'ai, en fait, je peux accélérer très vite ma vitesse à l'horizontale. Et ce qui permet bah, d'esquiver les mobs, premièrement. Ouf, j'atterris dans le jus de la chance. Et ça me permet vraiment d'arriver à une vitesse folle, phénoménale. Je suis content, là. Oh, 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 sensation forte. Ah ouais, je vous jure, c'est énorme. Tellement, ça va tellement vite, d'ailleurs, que j'en lag. Ah bah vite. Ah, mais mon attaque charge, les... Ah, d'accord. Je crois qu'il y a tellement de mobs que j'ai un gros lag avec la pluie. Ouais. Ça... Allez, viens, on y va. Allez, c'est parti. Cette météo est très chiante. Très. J'ai même repéré une espèce de tonneau radioactif. Je me demande si tu mets une bombe juste à côté, si ça fait un énorme cratère. Non, je pense même pas. C'est considéré comme un décor et ça se détruit pas le décor. Ah d'accord. Ah oui, bon, c'était pris en compte. C'était un vieil truc qu'on n'avait pas osé y aller. Alors, je vous parle pas de mon... J'ai un lag incroyable. Hey, t'as vu le singe ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a c'est fait? C'est décoratif comme ça. S'il a gardé un modèle d'exposition. On peut le taper comme ça apparemment, c'est tout. Oh, qu'est-ce qu'il a droppé? Attends, je vais essayer de récupérer pour moi. C'est quoi? Qu'est-ce ça? Il est où? Mais où qu'il est? Et ce serait pas Lulu qui l'aurait récupéré? C'est peut-être fort possible. Une espèce de truc blanc et rouge. Malheureusement, je ne vois rien. Je n'ai rien d'anormal de détecter, en tout cas dans mon inventaire. Non, y a rien. C'est bizarre, je les ai pas reçus alors. C'est la vengeance en fait. USCM, c'est marrant, c'est exactement le même sigle dans les prisons carcérales que j'ai eu, sauf que c'était des prisonniers, alors que là, se retrouve avec des robots. Oula! Attends, j'arrive. Et vous sentez pas un lag, un certain truc, putain? Moi non. Non, ça passe bien. C'est peut-être avec Fraps, peut-être que alors, ça. Alors, Fraps, est-ce que Fraps est responsable de ça? C'est possible.
Oh putain. Regardez vos vies, hein, si jamais. Attention, il y en a en haut. Ouais, restez au Steam Pack, hein, vraiment, si jamais. Je me drogue au Steam Pack. Oh, il y a un robot mitraillette. Oh my god. Reculez. Allez, le singe, pique-toi. Voilà, c'est bon. Oh, c'est des armes, en fait. Alors, est-ce qu'il me reste des bandages, en fait? Je suis même pas sûr. Est-ce qu'il m'en reste? Assieds-toi, mon cher. On va parler Cosette. Alors. Bonjour. J'ai un énorme lag dans cette forteresse et c'est très embêtant. Dites-le-moi si vous utilisez d'autres logiciels et que vous trouvez que ça passe mieux. J'utiliserai peut-être d'autres logiciels, je comprends pas. Mais c'est vrai que Fraps fait quelque chose de très bizarre. Tu peux essayer avec Action. Action, je sais que... Ouais. Ah, on en avait parlé parce que là, c'est vrai que c'est très... Hop là, je me suis enfermé, moi. Oh. Oh putain. Je prends cher. Où êtes-vous? Oh putain. Oh, je vais mourir. Voilà. T'es mort? Oui. Dans tes atroces. Oh putain, j'ai perdu 300 pixies. Ah, c'est lui qui est avec nous. Le singe est de retour. C'est qu'est-ce qu'il y a donc là-dedans? 2 pixels, et bah putain, on va aller super loin avec ça. Bah, le temps que je crafte quelques petits bandages pour revenir à l'assaut. On va revenir, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. C'est incroyable. J'étais intrigué par le bazar. Moi, je suis un abonné à une solution, franchement, je... Voilà. Parce que oui, quand je joue tout seul, vous inquiétez pas, j'ai pas de problème de lag, mon ordinateur est bien performant pour pouvoir faire tourner un jeu comme Star Wars, logiquement. Je devrais pouvoir tourner, et ça m'embête toujours. Faudrait peut-être que j'arrête de me concentrer là-dessus, d'ailleurs, parce que chaque fois, c'est mon problème. Hop, pas. Chiotte. Je vais poser une pêche, quoi. Bon, bon appétit. Merci. Avec des projecteurs. Alors, là, je crois que je suis... Où est-ce que t'es? Je suis passé à droite, tout à droite. Ah là, il reste quelques petits robots en dessous. Je sais pas si... UMC Field Handbook, je sais pas du tout à quoi ça sert, mais... Ah, je l'ai lu. New Codex Known. J'ai appris un codex, les gars. Ah! Je sais pas à quoi ça sert, par contre, je sais pas ce que c'est. C'est quoi un codex? On va découvrir plus tard. Un codex... Ça y est, quand même. Ouh, là, j'aurais besoin d'aide parce que... T'es où? Il y a une pété de snipe juste en dessous. Ok, je vois. Puis ils m'ont vu. J'arrive. Reviens vers la gauche. J'arrive, mes cochons. Oh putain, la vache. Oh, retraite, c'est des malades. J'ai fermé la porte, c'est bon. Merde, monte, puis j'utilise la technique de la terre, attends. Attendez, j'arrive. Oh putain, comment je l'ai vu courir, j'ai couru aussi. Youh, c'est bon. Putain. Oh la vache, j'ai failli crever, quoi. C'était vraiment pas loin, quoi. C'est tout. Attends, parce qu'il s'était violent, c'est con. Ouais, ah non. Non, mais j'ai vu 2 snipes, je me suis dit, oula, moi je... Moi j'ai vu tous les tirs dans le couloir, c'est genre j'arrive en mode taillot, je te vois revenir, je repars, laisse tomber. Grand malade. Ouais, t'as raison, prends les vitres, Asne. Tu sais, j'ai jamais compris comment est-ce que tu fais pour miner en fait droit. Le décor qui est en arrière-plan. Tu cliques droit en fait. Ah, clique droit. Ah, d'accord. Mais regardez, c'est moi le maître du monde. C'est moi qui dirige maintenant. Les troupeaux de singes seront tous sous mes ordres. Maintenant, lieutenant. J'arrive. J'ai ton mini-toi. Mini-moi. Je suis ton singe assistant. Ton singe de laboratoire. Le test. Phase de test. Ah bon, bah on a plus rien ici, fait chier. Attends, voilà. Je vais récupérer les escaliers aussi, c'est sympa. Bah cassez tout, allez-y. Moi j'ai pas mal de choses donc j'avoue que je vais pas trop. Attends, elle pourra reconnaître la main, tu sais, le truc biométrique. Oh sympa. Je te laisse le prendre. Radiateur. Radiateur. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Ah, les chiottes. Un lampadaire, je veux. Enfin, non, un petit spot. Alors, voyons voir. Ah, tu sais que le truc que j'ai pas trouvé. Bah, c'est ça. Oh, putain, 60 DPS. De quoi? Ça. Ah, est-ce qu'on a droppé là? Ouh, tu. Vas-y, salaud, quoi. 60 DPS. C'est moi putain, qui l'ai gagné, je en plus, il l'a droppé pour moi, quoi.
Ah non, 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 je vais te donner moi un autre qui est meilleur encore. Vas-y. Il est à 63 de DPS. Vas-y. Moi aussi je veux un super truc. Je crois qu'il allait me donner sa lampe torche, le con. Moi la mienne elle en a que 9, je suis jaloux, j'en ai marre. Tu me l'as donné? Ouais, je t'ai donné. Oh putain! Oh putain! Oh! 63, la vache! Mais là, les mobs, tu les one-shot, quoi, tous? Attends, on va essayer. Bah là, c'est du costaud, là. Ah, vous faisiez déjà visite ici? Ouais. Toi, ah, il y a du steak dans la bibliothèque, tu sais. Il y a toujours des mecs qui rangent des tranches de steak dans leurs livres, c'est normal. Là, j'ai trouvé un craft. Oh, regarde! Humans, Green Fighter Not Human. C'est ça, c'est des codex. Je sais pas du tout à quoi ça sert. Mais je les apprends. Je crois que c'est peut-être une connaissance sur les civilisations pour qu'elles soient moins hostiles à notre égard. Ouais, je crois que c'est ça. C'est possible. Je ne sais pas. 9 FPS. Non, mais faut pas se foutre de la gueule du monde non plus. Robot détecté. Taïo! Ouais. Qu'est-ce que c'est un frigo? Qu'est-ce qu'il y a? Un distributeur. Oh bon, y'a rien. J'embarque. Apple pie. Une tarte aux pommes. Ah, cake blueprint, c'est quoi ça? Tiens, t'as besoin de lumière, je pense. Je te m'invite. Qui me balance des projecteurs, tu sais. Hop là. Bon, bah, on a pas mal visité déjà. Putain, ma pioche est bientôt morte d'ailleurs. Alors moi j'ai au fait les gars, parce que vous ne savez pas, mais avec le truc corps là, le MK2 pour aller au système bêta, j'ai cliqué droit sur le système, il y a eu un petit bruit qui s'allumait et il m'a dit désormais vous pouvez accéder au système bêta. Et donc sur ma carte désormais il y a le petite lettre B pour accéder à des systèmes bêta, d'autres systèmes. Donc voilà, on a hâte de les découvrir aussi. Sans FPS. Voilà. Eh bien, je vous propose de remonter à la surface, les amis. Je vais faire peut-être une petite ellipse. Le temps qu'on remonte. Ouais. Voilà, tout de suite. Et nous revoici, les amis. Bon, on a vrai pour les petits crashs de... Enfin, les petits FPS. Hein. J'espère régler ça très bientôt. Hop. Et j'ai refait une armure en argent, cette fois-ci. Une armure bien plus puissante, du coup. Parce que là, c'était en fer. Et maintenant, on passe... D'ailleurs, j'ai une tête de chirurgien, là. On sait pas trop. 25 coeurs, 25, voilà, c'est très bien. Une armure plus puissante, donc plus l'arme de Haz, qui est plus puissante. On va réaffronter la soucoupe volante, donc sans plus tarder, je crois que je vais m'avancer. Je vous montre un petit peu les crafts nouveaux qu'on peut avoir grâce à cette fameuse truc. Donc il y a le style, l'élément du style. Je sais pas pourquoi avant ça s'était pas trop actualisé. Là ça y est, maintenant on le voit clairement. Donc un iron bar plus du charbon qui donne du style. Donc le fer, hein, tout ça. Du métal, je crois. Non, le style, c'est métal. C'est fer, je sais plus. Iron, ça veut dire fer. Oui. Donc steel, c'est métal. Non, c'est un métal. Non, je sais plus. Oh. Steel, c'est pas acier. Ah, normalement. Peut-être, ouais. Steel, peut-être c'est acier. Ouais. Ça un peu comme de l'acier. Donc là, j'ai fait un silver. Et du coup, j'ai des. En termes d'armure, là, le silver chest piece, plus du steel bar pour faire une armure en steel qui a l'air d'être l'amélioration juste après le silver. On a un Brain Extractor, Artificial Brain, Inactive Robot aussi, voilà. Je sais pas trop à quoi ça sert pour l'instant, ce sont des robots, des Guard Spawner et des Eogolith Spawner. Spawn Your Own, donc apparemment on peut créer notre propre village et nos propres gardes, quoi. Pour protéger. Ah ouais, carrément. Ouais, je l'ai là. Putain. Et du coup, il demande quoi? Steel Bar, bon, ça c'est un Not Fun Kind. Robotic Crafting Table. Ah, Robotic Craft. Il y a une nouvelle table de craft, d'accord. Donc voilà, en fait, on évolue au fur et à mesure, on découvre des nouveaux crafts. C'est vraiment génial à chaque fois. Et je pense que n'importe qui joue à Starbound s'en rend compte. Plus vous jouez et plus vous kiffez parce que vous découvrez des choses magnifiques. Vous êtes où, les gars? À droite du spawn. Ah oui. J'oublie qu'il y a la petite boussole qu'on peut regarder. Alors je suis surstuffé là, j'ai mon armure de chirurgien. D'ailleurs j'ai une armure en acier Asne, si tu veux j'ai une full acier, je peux te la passer. Oui, plus tard, je vais tester mon arme, la mort qui tue. Ouais mais une meilleure armure Asne, je pense que tu diras pas non. Plus tard, non, parce que ça prendrait un peu de temps. Si non, j'ai juste pas de la lancer. Ah, bah vas-y, file. Si t'aurais une armure pour remplacer mon smoking. Eh bah...
Non. Asn, ne donne-lui ton ancienne, du coup. Ouais. Sauf si c'est des armures en copper que t'as, Asn. Oui. Bah, enlève-les, de toute façon, l'iron est plus forte. On affronte la truc de nuit, c'est pas grave, je vais mettre des torches. Ah, je ressemble à quoi, maintenant? Attends, j'ai récupéré tout? Ah oui, le chest, je l'ai. Alors... de nuit. Attends, comment je donne, moi? Je lâche comment? 63 de DPS, normalement, il va mourir très vite. Hop, tiens, ça c'est les bottes. Les lunettes, je crois que tu les as déjà. Oui, les lunettes et... Il faut juste en fait le haut, en fait, l'eau du corps. Vous imaginez toute cette nouvelle aventure déjà, enfin, on a à peine découvert un tiers des matériaux, quoi. On peut découvrir encore plein d'autres, parce qu'il y aura plusieurs choses comme celle-là, c'est-à-dire le fait de pouvoir cumuler les matériaux, ce qui fait qu'on aura des minerais vraiment différents à chaque fois. C'est énorme. On va tester aussi cette fameuse armure. Oula, toi t'as une lance de fou. Bon, on est un peu bien stuffé comme des porcs. Normalement, ce ne sera qu'une partie de plaisir. Ça permettra aussi à Asn de faire sa soucoupe, baptême de la soucoupe avec Asn, avec du stuff de malade. Par contre, tu vas pas pouvoir taper la soucoupe comme ça, hein, attaque horizontale. Je sais pas. Bah non, attaque horizontale. Je vais sauter comme ça, hop. On verra. Sinon, j'ai mon arc. Moi, je me prépare à sauter en hauteur. Monsieur soucoupe, venez vite. Oh putain, tu m'as fait peur, je croyais que c'était... Ninja. Attention, il arrive dans quelques secondes. C'est marrant de voir As désormais avec mon armure en fer. Et toi, t'as pas remis ton armure depuis, tu devrais la mettre. Hein. Qui, moi? Non. Le truc, c'est que moi, il m'a pas passé le haut, en fait. Bah, le haut, c'est les lunettes. Hein. Oui, mais il y a encore un autre truc, normalement, que tu peux mettre en dessous. L'armure en cuir, tu peux remplacer ton t-shirt. Bon là au pire là j'ai trouvé une épée en fait qui... Je sais pas si c'est toi qui me l'as passé en fait là. C'est une épée qui tape du 69 là. You love that. Non je crois pas que c'est pas moi qui t'ai passé. J'ai dû la récupérer. Ouais t'as la récupéré dans le donjon à un moment, je t'avais dit de la récupérer. Voilà. Donc tous des armes de fou. Bon on est déjà en mode super balèze, allez. Il est où la soucoupe? Dis donc t'as appuyé sur E ou quelque chose. Ouh tu. Je crois que tu l'as récupéré. Oh il est là. Oh! Oh! Oh la branle! Ah ouais, un coup est égal à une barre, quoi. Oula! Non, ne détruis pas chez moi! Revenez ici, revenez à droite, les gars! Revenez à droite! C'est bon, moi il faut juste que. Ouh, tu, là, y'a plein de mobs! Y'en a plein! Oh putain! Voilà, c'est bon. Il risque pas de s'approcher comme ça. Oh! Du coup, c'est quoi cette plage? Oh, j'ai reçu le matin. Tu l'as eu? Ouais. Bon, ce fut rapide. Hein. La Molten Core. Molten Core! Bah voilà, tu as ton Molten Core. Bravo, Asn. Ouais. Super. C'était rapide. Donc, pendant l'ellipse, j'ai eu le temps de récupérer énormément de bois. Oh, bah j'en ai 1000 de bois, tu vois. Oh, j'ai 2000 de bois. Oh putain, mais j'ai miné comme un gros fou. Ça tombe bien parce que ça me fera 500 de charbon, du coup c'est très très bien. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il y a dans ces fameux fours là? Je sais même plus ce qu'on avait laissé. On peut peut-être faire une petite récolte aussi, puis replanter quelques trucs qu'on peut avoir ici. Hop. Bon, vous voyez comment ça a vraiment manqué de rien. Regardez ce que j'ai droppé l'autre fois. C'est un medical kit qui permet d'être restauré à 100% dans sa santé. C'est quand même plutôt pas mal, là, je veux dire. Je crois que c'est la fin de l'épisode quand même, c'est trop long. Non, on n'est pas au trop long. C'est la reprise il y a pas longtemps, t'as l'impression parce que ça fait depuis longtemps qu'on a coupé du bois, on a fait tout le tour de la planète pour voir un petit peu. Et bon, finalement on n'y a pas trouvé grand chose, mais... Ah, maintenant je vais créer Metal Workstation. Mais par contre, la Metal Workstation nous permettra, donc pendant que Asn agonise, nous permettra enfin d'attaquer sur quelque chose de bien plus grand, et ça c'est excitant. Oh là là, sans parler de trucs pornographiques ou sensuels, c'est vraiment excitant. Je sens qu'on va vraiment attaquer quelque chose de grand, de fort. Il est temps de se créer. Alors vous voyez, par exemple, le bois, je vais en mettre 1000. Je vais mettre les 1000 dedans. Il y en a pour longtemps. Et voilà. Et vous faites votre charbon comme ceci. Alors, bah, ah non, c'est 10. Ah ouais, donc non, en fait, je vais avoir 100 charbons avec 1000, en fait. Si je compte bien. Ah. Ouais, c'est ça, ouais. C'est 10 par 10 bois est égal. 10 bûches est égal à un charbon.
Voilà. Mais bon, c'est déjà pas mal. Ouais, vraiment pas mal. Par contre, je sais. Enfin, j'espère qu'il y aura quelque chose pour améliorer la taille de son vaisseau, parce que. Je n'y trouve absolument plus. Non, je ne baille pas, c'est pas vrai. Je ne trouve pas. Je vais faire la réflexion. Non, non, ce n'est qu'un effet de déformation du micro. Vous savez, les nouveaux micros font des trucs bizarres. T'as acheté vraiment de mauvaise qualité, c'est quoi ça? C'est clair. Alors, avec ceci, je vais crafter, voilà, petit cours de travaux pratiques. Allez, on va faire du style. Et du style, on va s'en faire... Eh bien, écoutez, on va s'en faire... plein les fouilles. Une quarantaine, déjà. Voilà. Un Ilioid Spawner Robot Leg. Je peux vraiment avoir plein de trucs. Oh, je peux faire un arc. Un arc en ferraille. La Robotics Crafting Table, elle a besoin de quoi? D'un processeur. Et où est-ce qu'on obtient ce processeur? Où est-il, ce fameux processeur? Qui sait? Qui sait? C'est très étrange. Steel Chair. C'est des trucs en... Attends, l'armure, en fait, chaque race a sa propre armure. Oui, dans un style particulier à chaque fois. Parce qu'en fait, l'armure que tu m'as passée, j'ai jamais vu de ma vie. Brain Extractor, terminating a common monster with his scan will extract his brain. On peut obtenir un brain, artificial brain. An unchanced brain permet... Perfect for transplanting. Putain, mais c'est un truc de clonage ou quoi? Je peux créer un truc qui extrait le cerveau. Et après, on peut créer des cerveaux artificiels. Mais ça m'a l'air. Et une raffinerie? To produce raw pixels from ore. Ah ouais, la raffinerie! Qui permet d'obtenir des pixels grâce aux minerais. Oh, bah je pense que ça va être la première chose que je vais faire. Oui, à mon avis, première chose, c'est la raffinerie. Tu pourras cloner un cerveau à mon singe comme ça. Je l'ai créé aussi, cette arme, cet extracteur là. Il paraît que c'est très dur d'obtenir un brain supérieur. Parce que j'ai un. C'est Zuma, hein, le graphiste qui travaille sur les petites bannières ou les petits trucs pour nous, enfin de temps en temps, pour faire des petites illustrations comme des fonds d'écran ou des. J'aime bien les petits fonds d'écran qu'il fait. Bon, pour le reste, c'est moi qui m'en occupe, mais il travaille avec nous. Joue pas mal à Starbound. J'y fais un petit coucou en même temps parce que, voilà, il avait perdu un peu courage, donc on l'encourage aussi bien fort pour ça. Et donc, m'avait dit, ouais, j'ai trouvé un truc, un extracteur et tout. Il m'a montré un petit peu la suite pour aller au bout. Donc, je te remercie pour la petite astuce quand tu es passé. Et je vous remercie tous d'ailleurs parce que vous me laissez des petits commentaires avec des petites astuces qui nous sont toujours très utiles. Hein. Je vous écoute avec attention à chaque fois que vous mettez. C'est vraiment très utile. Donc, continuez comme ça, les amis. C'est très sympa de votre part. Et nous, ça nous permet d'avancer encore et toujours. Eh bien, écoutez, on va se laisser, je pense, hein, ça va être la fin, quand même. Oui, hein, malheureusement. Toutes les bonnes choses ont une fin. Ma raffinerie, je sais pas où je peux la caser. Je vais enlever ça, mais je crois qu'elle est tellement énorme que je vais être obligé de la foutre sur la planète. En fait, il force un peu le fait de s'installer, justement. Oh oui, j'ai pu mettre une raffinerie ici. Voilà, on va refine, par exemple, on va refine un peu d'argent. Hop, parce que je suis vraiment curieux, je sais pas combien... On va mettre... ça me fait chier de... Parce que l'argent, c'est quand même... On va mettre 18. Et si je mets 18, par exemple. Ah ouais, 30 pixels par lingot. Donc là, j'ai refine une trentaine de lingots d'argent. Et ça nous a donné 540 pixels. C'est quand même sympa. Donc la refinerie, sympa à utiliser, très sympa. Et regarde mon gun, si tu reviens dehors de la planète rapidement. Oui, je suis sur la planète. Regarde mon refinerie. Attends, j'arrive tout de suite parce que je suis bloqué. Hop. Voilà, je suis là. Je sais absolument pas comment ça marche. Ah oui, d'accord, ça utilise mon énergie verte aussi. T'es où? Alors là, j'ai vraiment l'air d'un savant fou, quoi. Vas-y. Qui veut la grosse piqûre? Ça donne quoi ça en fait? Ça extrait les cerveaux. Ah, vas-y, resterai-moi mon cerveau. Bah, toi ça servira à rien, t'as pas de cerveau. J'allais pas dire ça, mais bon. Canard! Je suis un mob. Écoutez les amis! Aïe! Ça fonctionne beaucoup.
Attends, laisse-le. Il n'y a pas de cerveau non plus. Ah putain, attends. Chez. Faut faire ça sur des mobs pacifistes. Ouais, je sais pas trop comment ça marche. Hein. Là, il y en a un. Là, il y a un mode pacifiste. Un mob pacifiste. Bon, qui est juste ici. Ah oui. Ah ah. Oh, j'ai gagné un cerveau. Il y en a un autre. Inferior brain. Ouais, et moi, il me faut un superior brain. Juste en bas. Là, ici. Ouh, tu. Ah, bon, bah, ça, c'est réglé. Faut bien viser. Alors les amis, vous pouvez laisser un petit pouce vert, un petit commentaire. J'espère que cette série encore vous aura plu. Vous pouvez n'hésiter pas à passer voir la chaîne de Lulu, fantastique Lulu, qui est sur du RPG, donc hein, qui change un petit peu. Voilà, n'hésitez pas à passer voir notre Twitter, notre Facebook. Et voilà, et le mot de la fin pour Lulu, vas-y. La 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 la. Et n'oubliez pas, abonnez-vous. Cette fois-ci, ça faisait genre la voix du gradé à l'armée, tu vois. Qui... Abonnez. Ah, j'aimais bien, moi. Ce que j'aimais, c'est quand tu faisais le... Abonnez-vous. Twitter, Facebook, abonnez-vous. Ce sera pour la prochaine fois. Voilà. Ça sort pas à chaque fois, c'est pas sur commande. Il faut laisser l'instinct naturel du singe venir à nous. Allez, ciao tout le monde et merci d'avoir regardé.